Jeudi, on sait 24 juin 2024, c'est lundi, c'est dernier lundi, bien sûr. Hein? Si je ne me trompe pas, nous n'en dernier lundi, non mois juin, hein, mesdames et messieurs. Donc, en pile famille, commencez un petit peu reposer, en pile petit monde, commencez la caillot. Donc, vacances, non, lui-même, lui commencez dans différents côtés. Mais information, même, il n'y a pas campé, pas de vacances, c'est information. N'a pas continué et venir avec tout détail qui gagne, qui concerne nous en tant que haïtien. Je dis là, et actualité à, qu'on y a la quoi m'souvle, toute caméra branchée yon seul côté. Yo branché sous aéroport tout sans l'ouverture, y a tant atterrissage force kenyan cap atterri donc qui doit arriver, qui doit quitter Kenya demain si Dieu veut. Donc normalement, yo ta doit Haïti mercredi. Yo ta doit Haïti mercredi, et mais gen gros cérémonie qui fait dans pays Kenya à huis clos pour capable voyer force Kenya vini. Il y a une grosse cérémonie. Donc, faut que je rappelle tout, il y a une grosse prière qui t'a faite dans le pays Kenya. Grosse prière, prière qui paraît ta prière. C'est pas prière qui moun participer, c'est une grosse prière. Prière grand monde, prière gouvernement, prière madame président, etc. avec monsieur président, pour être capable et bien voyer force là dans le pays d'Haïti. Kenya dit, yo même noir pour noir, tout comme ça, noir apaisé, yo pas voyé force Kenya vin goumé, sans que yo pas bien monté yo spirituellement, bien sûr. Donc, là, yo prie, par contre, qui moun yo prie, mais yo prie. Yo prie. Nous prenons répondre des questions également, non, qui gen pour avec un domaine immigration, parce que depuis hier, nous avons des questions à poser, mais nous pas de chance pour être capable de répondre à des questions. Nous allons répondre à tout, et puis, détail, quand c'était mon cap vini, yo parlé de ça également, et dans la vidéo, ça m'a bon petit bref détail. Et puis, nous gagnons, mesdames et messieurs, Haïti, son pays qui gampile ex. Gampile nèg, pour yon kon ki sa pour yon faire pour madame yo, faire madame nan plaisir, c'est ex la ou parle. Ou comprenne ta koumte ex li la, le relem, il dit MP. Donc, je ne sais pas si je comme je connais madame, moi, nous te remé, nous te jeune, nous te font 2-3 ans en Marvel, donc dis-moi ça pour me faire. Vous comprenez? Bon, moi-même, comme bon frère, m'a dit, donc, mais ça pour faire côté pour moi. Et tout le monde n'est pas crié. M'a dit, ok, côté pour moi, mais m'a pas dit, l'MTG, jeune, la prophétie va de jambes, le moyen moun yo. Là faut combien de temps la prophétie va de manger donc sous gon vieux ex non mon ou connaissez moi que t'es ma avec li vierge OK frère celle ça m'a dit sous gon ex non mon yo douze moi que t'es ma avec l'elle t'es jeune li vierge et toute ex net qui a venu témoigner pour MP là qui a dit le MP t'es ma avec li qui t'es vierge jusqu'à mariage jusqu'à le mariage Haïti c'est ex qui vous dit ça pour faire. Donc là, nous gagnons Evans Paul qui sont ex. Evans Paul en tant que ex, et pas si pays gagne ex ça, non? Ou non pays, président, qu'on grand monde. Haïti, tout président, là, yo aligné. Tout ancien premier ministre, tout là. Et son SLP, il gagne plus ancien premier ministre que tout pays qui existait. Parce que non, c'est le gouvernement qui a gagné pas 10 premiers ministres qui passaient dans 5 ans. Bon, Bob dit 17, je vais mater l'imba, qu'elle pas passer son 20aine premier ministre dans cette période de défaite. Donc, Evans Paul, comme qu'on y a son premier ministre qui a dirigé le pays d'Haïti, avec un conseil présidentiel qui va gagner, il a déjà coutli, et content Gary Kony vini. Et yon n'a pas dit que Gary Kony pas vini, m'a demandé comment t'a fait. Et mais grâce à Evans Paul porte de trois conseils. Pour Gary Kony, donc pour pays, pour toute nation, s'ouvre le caplim. Donc étant d'elle, si vous parlez de caplim. Ou gedo pas tadel, mais ça l'a dit concernant Haïti, parce que nous tout tadel de kaplim. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous est? M'espérons en forme, si nous regardons la vidéo, ça l'a toujours. Nous disons papa, bon Dieu, qui est dans celle-là, un gros bout de merci qui fait un cadeau. Yon jour, en plus, non pas c'est MPH, Zambi Mirelem MP. Ma belle Eleni, c'est mamie, Lirelem MPP. Et Vivi Pepe, son plaisir, m'basse m'fou nous information. Souvenez-vous de ma vidéo pour la première fois, abonnez. Et puis, guys, comptez là pour la première fois, là pour la cinquième fois, m'a demandé pour qu'ils t'ont like en bas vidéo ça, c'est façon capable de montrer que ou même. Guys, si m'da tout sacrifice m'fem te nan travail, courir descendre, bla bla top, popopo, pour m'kap vin bon information ça là, ou t'apprimène, parce que sans pile gaz m'boule. Et automatiquement m'fini là, pour m'obliger à courir rapide, tourner encore dans des rencontres concernant le travail, nous. Donc, nous avons entrepris. C'est très important pour supporter le travail. Tout fanatique, moi, salue nous.
On nous allait droite mes amis partagel et force Kenya a rentré Haïti. Normalement, il a quitté Kenya demain si Dieu veut et c'est un total de 400 Kenyans. Et premier contingent l'a gela dans li, un total de 400 garçons vaillants Kenyans qui rentrer Haïti pour yo capable venir mettre bagay et nommer ti messieurs qui gen zam yo. Donc nèg yo pas peur et ça fait tout pas peur parler de yo parce que nèg yo di yo pas peur, y a goumen. Et président Kenya li visite contingent policier qui prend vol demain si Dieu veut pour Haïti. Ça veut dire que c'est bagay confirmé parce que président déjà débarqué côté contingent. Yeah, let me share my screen with you so I can show what I'm talking about. So bon cap partager écran avant mon cap moto guide qui s'est parlé. So bon garder mon café ça why now. Donc avant me quitter du coup et dans sommier. On prend du coup habito non du coup ensemble non puis sexy. Là parlant du coup ou parlant des gens plus sexy. Mon la France yo, quand on David B. Là on parle du coup ou toujours parler plus sexy. Et tac David B pour moi en bas vidéo là. Ouais, du coup MPH du coup je n'ai pas d'argent. N'a ping pas nous. Il a dit non ping en film c'est. Quand on passe me donner parler juste pour la France mal. Mais m'a dit non, faut pas faire ça. Juste pour la France pas j'en pense là. Oh oui, nèg la France franchement yo fait yo préfère faire cadeau secay. Ton cadeau faut cadeau euro. Et wa chèvre, yo bon. Et yo préfère faire cadeau secay, te faire cadeau euro. Mais non même, donc sous nous. Donc du coup nous pour partager information ça et ça devant pas comprendre du coup il y a photo du coup on a calé mais faut me calmer mon nèg la France business pour elle non du coup ap mou du coup capture. Et du coup capture dans la grande banque comme ça mon ado du coup il faut un projet hein, du coup mais même ça que du coup de bon pour coach je vais voir même coach à la France lui est allé me dit mon la France du autant de tout le monde lever contre moi là on pas dedans hein. Donc là le contingent je ne cap garder dans les images là. Nous cabre dans les images, donc ça y est pas case bleue, et case gris. Haïti pral gen pile ti case gris dans la rue. C'est ti case gris qui pral frapper et monsieur qui gen zam nan mi. Mon parler au gang, parler révolutionnaire, nous ba tête non vle. OK, vivons ensemble. Qui pral taquer tout vivons ensemble nan. Et président Kenya qui c'est William Ruto et son président qui me fait ti visite li, li te visite Biden autre fois, qu'on y a là, c'est dans pays là Kaili, ça relait ti visite locale. Nan visite locale là le visite 400 policiers nèg sa yo y a pran vol demain mardi a pour yo atterri plat dans pays d'Haïti donc dans cadre mission internationale pour capable des forces sécurité pays caribéen non qui fait qui tourne poids on a qui prend poids à la violence conseil sécurité l'ONU donc il te bail feu vert donc tout le monde connaît ça mes amis si c'est pas dans le journal parce que tout le monde connaît conseil sécurité l'ONU il te bail feu vert pour force la venir mais après en pile tentative bail la vini parce que l'argent pas jambe débloqué pas ka vrai moun nan bataille pour pas bal cob Kenya li même li bloqué bagala parce que pas de bal l'argent donc finalement l'argent débloqué Kenya dit OK de vous bon l'argent ma bon soldat donc là la vrai 400 avec 400 cap atterri dans pays a est-ce que kouyo vini a commencer goumer nous pas connait est-ce qu'il a venir au cachon côté tout nous pas connait donc nous pas connait pour faire des routes là comment Kenya réagit nous pas connait est-ce que ce village là près avant est-ce que c'est quoi des bouquets donc c'est mais quoi des bouquets yo yo tellement senti yo confortable yo dit yo mettre vrai miscade bayo et dans blague y a passé ça ça veut dire donc pas connait premier contingent est-ce que la vienne attendre reste moun yo vienne joindre ni moi c'est ce qu'il y a venu et puis il y a mettre la main dans la pâte ça c'est l'autre cause mais faut que moi dis que vers mercredi nous t'a commencé un petit casse gris et pas casse bleu non petit casse gris ça yo dans pays petit casse gris ça yo et petit caca jaco donc les gens de petit bail fratez ça yo nous t'a commencé gagner dans pays et puis qu'a lancer des petits cartouches mais messieurs dames ça me tendait là les petits gens et troublant. Nèg kap vini yo c'est pas police normal. Eh la police normal. Yo dit c'est police qui kon goumen avec escamote yo. Comment les escamote terroristes. Ces gens de police ça ouvre pour nous.
Et pas dit police, si police normale, cap dit je vous arrête, vous êtes en état d'arrestation. Non, 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 détrompez-nous. Et n'est-ce pas de police cap dit vous êtes en état. Non, non, n'est-ce pas, c'est pas si vous êtes en état d'arrestation, donc c'est cartouche, cartouche, c'est comme boum, comme boum, comme boum. Donc n'est-ce pas, c'est eux même cap vini, ok? N'est-ce pas, c'est anti-terroriste. Quand y a voué pour nous là, c'est gros quoi. Et c'est pas n'importe qui, c'est anti-terroriste y a voué. Y a même qui a vienne frapper, si monsieur Genzam non, mais si monsieur moi pas veut me dire, pas dit pas frapper, frapper non ou bien pas frapper nous, mais ça m'a dit nous, Jean Rodia c'est anti-terroriste. Ça dit nèg et qui qu'on a goumé avec nèg comment nèg musulman yo qui toujours à battre pour exploser tête yo. Cannibal, etc. Bon, c'est pas nèg ça yo, et pas ti police rase dans la rue, non cap cap machine qui pral baillou, c'est nèg cobrum, 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 nèg so c'est cobrum yo, ok? Red, red. Et gen red, red qui pral gen dans pays ya, sa kama ou maon. Yo dit que gen commence maon, donc sou kama, sou pa kagou men maon, sou pa kagou men maon, maon, eh? Et sou pa kagou men baillou pour qui raison, ou rete là. Mba yon ti jan mélange nan peyi d'Haïti et du si mercredi nou pral tande comment katouche pral chete comment nèg yo menm y ap marché pran ti mesye ak zam yo donc y ap arrêté yo gèlè ap arrêté yo mais si c'est nèg ki kon goumé avec terroriste yo vre pou nou ta semblé yo pran nou pour terroriste yo ta semblé pran mesye pour terroriste parce c'est anti terroriste et Kenya li même la vre mais pas seulement li même grand pile l'autre pays jusqu'à Bangladesh là Bahamas là yo tout net y a vinn pote konkou yo gen ka bay kòb tout donc y a vini pote konkou yo gen Barbade là gen Tchad là gen Benin yo tout net y a vinn en Haïti bon si on chaque te vont 1000 ou comprendre nous ta gon 5000 et on chaque te vont 1000 ta gon 5000 et même Suriname prévoit la vre de 3 grain bon vre de 3 grain pour laissez-moi qu'on goûte bien avec terroriste, qu'on goûte bien kidnappé. Welcome guys, welcome to the game. Donc ça c'est mon cadre. No welcome to the game, ok? So let's win together. Et ça mon cadre guys, let's come to the game. Welcome to the game. Go. Qui ça n'y est là dans le domaine immigration? Le domaine immigration, le parle de bagaille, c'est le programme Biden non, qui continue. Ou même ou pas là, ou tu es dans le week-end, papa, ou tu as bien passé dans le week-end, nou, et ça qu'il faut pas besoin qu'on ait qui ça dit dans l'immigration, est-ce que le programme n'est là toujours, est-ce qu'elle parle là toujours, comme je dis, on parle tout chaud, tout flamme, ou si tu as venu poser question en bas vidéo, ou par contre ça qui passe? Ou pas qu'on est. En plus là, nous ne pas qu'on ça que t'es dit, nous pas qu'on ça que t'es fait, nous pas jamais voué jeune garder ça qu'a fait là. T'es grand pile monde qui a approuvé. Haïti est premier pays, donc 27 000 et plus personnes qui a approuvé dans le programme. Non, Haïti c'est premier pays encore et qui dans le programme. Non, en deuxième pays nous joignent c'est Cuba et qui derrière de Haïti. Mais après ça, Haïti après ça, Venezuela en troisième position, en quatrième position nous joignent Nicaragua. De yo continue à prouver un pile moun. Malheureusement, moi, mec, ce passé, yo pas prouver 30 000, mais yo banon en très bonne quantité. Donc, mesdames et messieurs, c'est ça. Et moun ka pose une question sous dos, c'est ça. Et ka pande de nouveau programme Biden. Non, programme ça, mes amis, listen to me carefully. C'est moun qui gagne ménage blanc. Ok? Blanc, on gagne noir, oui, oui, nous même. Depuis moun n'a pas l'anglais, non, elle pas haïtien, non, dit, oh, après, on blante. Vous comprenez? Nous ne parlons pas les créoles, c'est anglais. Nous parlons, nous disons, oh, pas on s'en blende. Nous sommes black, black. Black is black. Non, non, quand on est blanc, quand on est blanc, quand on est blanc, non, non, quand blanc, quand blanc noir, quand on blanc noir, tout. Il dit, quand blanc noir, et quand blanc noir, tout. Donc là, il faut que blanc noir. Faut qu'on marie que c'est blanc noir, ou madame qui c'est blanc noir, c'est seul moyen ou capable de participer dans le programme si là. Faut que tu es États-Unis. Pendant, faut gagner 10 ans de pour America, ok, faut gagner 10 ans. Ça va faire 10 ans, faut te placer, ak fia, te nan kayavel, c'est pas ça, ou vezou, mais 10 ans, faut que tu rentres en America. Et faut te rentrer en America de manière illégale. Donc, si tu rentres de manière légale, de ouais, côté là, ou à côté de vin, font coup de patte pour illégal. Donc, faut te rentrer illégal en America. Donc, on a, est-ce qu'on a qui côté moun ta premier rentrer illégal? Et est-ce que yo bloqué illégal là?
faut te rentrer de manière illégale America et je amène avocat avec expliquer ça matin leur rentre de manière illégale là ou pas gain ID fort et c'est moun qui pas gain ID fort et moun qui pas gain ID fort faut que moun ça retourner Haïti pour la temps de mariage dit but right now pas besoin retourner Haïti donc dans petite période ça là tout temps yo quitter petit programme ça lui même li actif ou capable continuer et ben joindre résidence ou côtoyer dans pays à son pas fait yon pas quitta yon pas nago. En pile fois, je me suis dit, mesdames et messieurs, c'est ex ou qui capable d'ou, son vieux ex qui capable d'ou, qui ça pour faire pour madame. Parce qu'on ne doit pas qu'on compte madame, non, mais ex a gain. Il y a des quand c'était ton nec fait, le mec a qu'on moun, le qu'on moun n'a pas bien passé, même qui marie. Et bien, marie, c'est mon madame tout. Ok? Et il y a des filles qui c'est ex, fi a pi bien qu'on nou, que madame ou, parce que nous faisons pile temps, ou moun gen des mariages avec madame ou, mais fi sorti fait n'importe 4, 5, 6 ans, ma vel, le qu'on ou bien. Et Vince Paul, c'est un vieux ex-pays d'Haïti lié. Et bien, il vient pour le potent pile, vieux conseil tout, et pour Kaikoni lui-même, qui sont ex-tout, oui, mais il parle en pile ta femme, non. Mais Vince Paul lui-même, il est bien saigné, femme, non. Il connaît très bien, et le potent pile message pour nous. Nous parlons de Vince Paul. Mesdames et messieurs, ouais, please, là, on like, parce que vous ça. C'est façon pour encourager. Campagne pour capable continuer avancer, de continuer à avancer. Acte de Vince Paul ensemble. Haïtien, jusqu'à présent, pourquoi bien imprégné, pour ne pas dire pas qu'on est feuille de route de cette nouvelle équipe gouvernementale. Dis-nous, à la lumière de ce qu'on est et de l'expérience, jusqu'à bon un gouvernement de transition capable de vivre. Eh bien, il n'y a pas de limite. Au contraire, le gouvernement de transition a un boulevard devant lui. Il y a une série de facilités, peut-être un gouvernement légitime élu par gagné. Pour qui ça? Je prends la situation actuelle du conseil présidentiel et du premier ministre Gary Conille. Pas un parlement qui a contrôlé, alors il a gagné une liberté d'action. Pas oublier que un gouvernement, chaque action pour le mener, il faut le gagner avant le parlement, il faut le faire une loi, il faut le négocier une loi, il y a des fois le parlement pas d'accord, et ça qu'on prend en pile temps pour prendre une petite décision. Je prends exemple, loi organique de ministère. Mm-hmm. Bon, maintenant, pour faire loi organique là, il faut le voter dans le parlement. Les parlements pas voté loi organique là pour une raison ou pour l'autre. Le ministère existait, mais il est dysfonctionnel. Alors, en général, on a fait transition depuis 1806. Et quand pile réforme qui fait dans l'État sur le plan administratif, sur le plan structurel, c'est dans la transition qu'on fait. Par exemple, gros chantier réforme l'État qui est en marche depuis 2006, c'est pendant la transition qui était dirigée par le président Boniface Alexandre et Gérard Latortu, qui a un pile document valable qui orientait l'État, qui adressait problème fondamental l'État. Malheureusement, fait document, c'est youn. Mais arriver à assurer l'autre aspect fondamental qui est la continuité de l'État, sont l'autre démarche, parce que, comme on connaît, nous souffrions gros maladie politique qui est l'instabilité. Et cette instabilité, justement, qui fait nous un gouvernement transition actuellement. Donc, ce qui fait que l'instabilité, ça, maladie, ça, sort pour une chronique. PMKP. Mais maintenant, est-ce que le fait que le gouvernement gagne un gouvernement de transition, un boulevard de Vanny, il n'y a pas de parlement, il dit que, en général, gouvernement, type de gouvernement, ça est très prolifique, surtout sous Boniface et Alexandre, côté que tu as un paquet de lois, décrets-lois qui étaient sortis. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement de transition, pas un devoir de rendre compte, un devoir de reddition de compte? Oui, et en général, tout gouvernement a un devoir de reddition de compte. Mais fondamentalement, véritable habit, là, ces populations, c'est ce résultat qui les doit chita. Capable de gagner
des maladresses, capable de gagner même des violations. Bon, il est capable de responsabiliser les gens qui font là. Mais il a jugé un gouvernement sous résultat, et ce n'est pas résultat. Autorité a dit yo fait, yo accompli dans le discours. C'est ça, peuple a constaté. Par exemple, il a facilité le gouvernement de transition à gagner, c'est facilité pour le fonds budget. Parce que on budget, le budget, c'est le principal instrument de politique publique. Là. Mais on budget, très souvent, il faut négocier avec le Parlement. Nous avons un phénomène, côté un député qui a dit mettez tel corps pour faire tel projet. Voilà, Kaili, il y a des fois le projet, ça n'est pas prioritaire par rapport à l'objectif gouvernement. Le gouvernement obligé de faire concession pour des raisons politiques. Mais il n'y a pas de carcan, ça. Je dis à. Pour fonds budget, que ce budget rectificatif, que ce budget annuel-là, c'est pour elle seulement l'arbitrage du Premier ministre. Parce que budget, son démarche, côté chaque ministère, pour elle dire mes priorités, mes objectifs, dans le moment ça. Et Premier ministre, là, avec staff, il faut le faire arbitrage. Là, pour dire bon, on a mis tel comme là, plutôt, parce que nous voulons résoudre tel problème. Par exemple, le chantier de la sécurité. Mais chantier sécurité, c'est bonne question aux armes seulement, non? Et bonne question, faire mon Kenya en vini, gain plus policiers dans la rue, li plus que ça. Son question qui lie tout avec la précarité. Alors, tu as parlé d'instabilité, mais gain trois questions qui m'a connu en accord. C'est la question de la sécurité, la question de la précarité, et la question de l'instabilité. C'est toi qui es capable de dire maladie ça qui cap miné pays. Donc là on dit nous que étant donné que le gouvernement a un bel avenir devant lui, cela veut dire que est-ce que haïtien aujourd'hui en la dans transition ça par rapport aux besoins, par rapport aux enjeux, est-ce que ça veut dire que nous devons mettre barre là très haut pour forcer l'équipe qui se place bail le plus de résultats possible. Est-ce qu'on voit le constat? L'autre dit haïtien, yo. On demande qui est haïtien. On a parlé d'haïtien qui. On qui besoin d'aller mieux dans le mode de vie, yo. Qui besoin de sécurité à tout, j'en saute dit là. Mais qui besoin de travail, qui besoin. Vous étiez à l'école, qui besoin de permettre que le monde fonctionne, le monde circule et autres. Est-ce qu'en ce sens-là, nous avons le plus d'exigences possible? On nous dit population. On n'a pas dit peuple là. Mon connaît peuple là, il y a un petit côté péjoratif. Oui. Il y a des gens qui prennent peuple là comme. Mâche-pied. Couche. Non, couche qui est plus défavorisée. Mais peuple là, il englobe l'ensemble de citoyens, l'ensemble de monde, quelles que soient les conditions sociales. Yo. Mais l'autre dit population, bon, laisse ça, ou pas dans la discussion. Mais population en tout, ou capable de limiter la monde qui vit sous territoire pays, on en réalité pays d'Haïti, il faut tenir compte de monde qui vit l'autre bord tout. Parce que il y a des monde qui vit l'autre bord. C'est au cap supporter, monde qui vit ici, il y a plus concerné par ce qui passe dans le pays. Parce que il y a des gens qui ont ouvert, qui ont fermé, il y a des maris, des madames, des petites, des frères, des familles, des amis. Depuis qu'on va passer en Haïti, tête chaud. Et toute la journée, on transfère pour y faire. Il y a des fois, il n'y a pas même capable de faire face à propre. Besoin personne qui soutient les gens en Haïti. Alors, c'est ça qui fait concept population, on dit gens capables de pas finir répondre, on ne parle pas de quelle population. Bon, bref, entre peuple et population, on a besoin d'un consensus pour adresser à Haïtien. Maintenant, l'on dit Haïtien, il y a des gouverneurs, des gouvernants. Et là, nous avons un contexte côté une question fondamentale, et c'est Monsieur Préval. L'ELTA président en 1996 qui était soulevé question ça pour la première fois et qui demise la restauration de l'autorité de l'État. Et c'est la question fondamentale. Et l'ELTA n'a pas parlé de restauration de l'autorité. Que c'est question sécurité, c'est l'État qui vous garantit contrôle territoire. Que c'est pour mon circuler. Pour mener une activité, c'est l'État. Que pour sécurité bien moun, la vie moun, c'est l'État. Que c'est pour fonctionnement service public, l'hôpital général, l'université, l'école, c'est l'État. Eh bien, autorité de l'État sont questions qui
fondamental. Mm-hmm. Et c'est l'autorité de l'État. Mais moi, c'est l'inverse. Je pense que j'ai abordé ça dernièrement avec un invité, question de restaurer l'autorité de l'État. On a quand même l'impression que c'est l'inverse. Plus de 20 ans après, le président René Préval a évoqué ça en campagne électorale. Nous avons l'impression que la situation est plus grave, parce que c'est jeudi, hein, nous avons qu'ils ont entré à assassiner le président, la CAIO. C'est jeudi, hein, on a observé qu'un groupe de monde qui a été au doux, on sait que y a l'autre pays sous, ou pas qu'à sortir. Et tout le monde devant barricade c'est avenir. Mais qui ça a été devenu plusieurs années après que Paul ça t'est fini dit. Donc nous au lieu de dire nous fait bac situation autorité en vienne plus mal que le pas jamais. Est-ce que sont moins compréhension ou bien toi pouvoir que nous gagnons ou bien est-ce que c'est démocratie qui est responsable? Non, c'est conséquence dégradation, dégénérescence du pays sur tous les plans. C'est-à-dire, l'on parle de restauration de l'autorité de l'État, maintenant, l'autorité, il faut ajouter dignité, tout dignité de l'État. Parce que où on l'État presque dépendant, par exemple, nous chitaptons, les forces étrangères viennent occuper la question de sécurité dans le pays, nous sommes fait 30 ans. C'était force ça, les ça tout nain qui a compté combien de missions passées en Haïti. Mais il y a une fonction régalienne de l'État, c'est contrôle du territoire et garantie sécurité citoyenne, l'activité de l'État. L'État va quand même bailler tête la sécurité. Le problème dit l'État, bon, on va parler autorité dans l'État. Là, pour y rentrer, tu es un président. Et actuellement, il y a un pile ministère qui est obligé. Déplacer ou bien local ministère ça a abandonné, ministère pas travailler là-dedans, il a travaillé dans une chambre d'hôtel parce que pas de sécurité, l'État pas même capable de tête de sécurité. Bon, autorité l'État, yo, pas même capable de tête de sécurité. C'est une crise excessivement grave. Mm-hmm. Et alors, question restauration de l'autorité de l'État était une question fondamentale. C'est le premier pas pour nous créer stabilité et pour nous arriver vers la prospérité. Parce qu'on n'est pas capable de faire rien marcher sans autorité. Métropole là, obligé de faire autorité. Que cette direction générale là, que cette salle des nouvelles là. Mais, on a blagué chaque monde a parlé de nouvelles, chaque monde ne parle pas, même si on a une belle voix. On a pris une cacophonie. Si pas, qui fait l'autorité, c'est la discipline, c'est l'ordre, c'est la planification, ce sont les perspectives. Mais c'est ça qui dégrade dans le pays. Et c'est question ça qui mérite régler. Et pendant la transition, si que nous arriver restaurer l'autorité de l'État, c'est un gros pas vers la prospérité, vers la stabilité. Sauf que nous pouvons voir qui côté pas le passé pour lever là-dedans. Non, d'ailleurs, nous voyons que l'État aussi cesse d'être majestueux, alors que dans tout pays, c'est salié. Mais je dis à M. Paul, alors que il a tué policier, commissariat attaqué en trentaine, attaqué, ministère dans la rue, ministre, c'est dans la chambre d'hôtel que y a travail. Nous étions nous regardons les nous dit qu'il n'y a pas arrivé pour venir mettre l'ordre pour nous dans des ordres. Poco à part quelques annonces telles que le premier ministre a parlé de zéro tolérance. Je crois que grand membre dans CPT en tout qui dit même bail, mais nous ne sommes pas capables de courir accuser le Premier ministre Gary Conille, qui n'a pas gagné longtemps depuis le retour dans le vin, peut-être pays. Mais est-ce que je dis, nous n'avons pas besoin des signaux clairs que l'autorité a pas le restaurer, l'autorité l'État a pas le restaurer, nous prenons route prospérité à. Est-ce que vous même avez des signaux clairs déjà, M. Paul? Si vous êtes clair, nous t'avons évoqué. C'est ça que fait. Bon, c'est là que fait l'émission même. C'est parce que pour clair, c'est parce que nous avons cherché et signal ça qui peut venir et qui doit venir. Mais là, on a parlé de l'État, il y a deux dimensions. Il y a les responsables de l'État, autorité, mais il y a les citoyens. Pas de l'État sans citoyens, tout. Nous ne sommes pas capables de faire un pays côté. Gain responsable, mais pas gain monde qui
d'accord avec une responsabilité. Parce que tout le monde, tant que nous dans la radio, dans la télévision, là, nous avons une responsabilité dans ce qu'on a dit. Nous n'avons pas qu'à dire n'importe qui parole. Pour respect pour la loi, respect dignité, nous, respect société, il y a des mots que nous n'avons pas qu'à utiliser, il y a des idées que nous n'avons pas qu'à faire. Il y a des annonces que nous n'avons pas qu'à faire. Qui fait, faut ne pas mettre la question de restauration de l'autorité de l'État, la question de bonne marche société uniquement sur l'autorité. Parce que l'autorité doit avoir le premier signal là, d'ailleurs, c'est ça que fait l'État marcher avec la loi. Les mon enfant de la loi, yo poursuivi yo. Mais faut gagner une campagne d'engagement citoyen. Tout. Parce que le pays n'a pas qu'à avancer sans citoyen yo, qui senti yo concerné et chaque monde a pas agi dans le champ pa yo, que c'est monde qui dans champ sécurité, que c'est monde qui professeur l'école, ou bien un monde qui sont ingénieurs, qui a battu un caille, qui respecte norme nan, pour les catastrophes, pour qu'elle a résisté. Qui fait, en société, c'est en tout. Et l'État a gagné pour créer l'équilibre. Et au-delà de l'État, nous gagnons un noyau fondamental qui est la famille. Et là, si nous ne pas veiller sur qui j'ai famille a fonctionné, nous ne pouvons pas résoudre la question. Un bon fonctionnement de l'État. Moi-même, la plus grande autorité que j'ai dans la vie, c'est moi-même. Elle a dit que malgré le mourir, j'ai toujours songé, j'ai toujours eu l'ombrage. Il y a des choses que je n'ai pas droit de faire. Qui fait le premier chef de police que j'ai eu, comme toujours, c'est moi-même. Qui fait, je pense que, excusez, et jeudi, la question désengagement de la famille, hein, sont gros et question pour nous adresser avec sens responsabilité. Parce que l'homme nous font si nous avons une responsabilité, pas seulement pour prendre soin, mais pour orienter dans la vie. Sous la gueule, nous avons un savon. Pas que si nous avons un savon qui tape sur la machine. Nous ne parlons pas encore. Ils ont dit que nous avons une gang. Côté maman, côté papa. Alors, ils ont dit que nous avons un savon qui est en province que nous avons sorti. Il y a quelques rares qui ont une famille qui est mal arrivée. Et puis, ils ont trouvé dans la rue, ils ont suivi la machine. Et puis, ils ont vint une main-d'œuvre facile et gratuite, tout. Une main-d'œuvre fragile, tout. Eh bien, le problème, c'est l'engagement familial, la responsabilité familiale. C'est-à-dire qu'un petit monde, pardon, les chita sous autorité par en ligne. Pendant l'enfance, pendant l'adolescence, jusqu'à ce que le rivier est capable de prendre chemin la vie. Ses parents qui veulent faire premier pas, depuis le bébé, l'école, l'apprendre au métier, qui bat le principe pour lui agir comme citoyen. Parce que, faut nous former les gens, mais nous former les citoyens. Et déficit de formation citoyenne, non? L'écouter nous cher. Ce n'est pas seulement Haïti qui a un problème. Mais son responsabilité de l'État, mais son responsabilité de société au niveau de la famille, mais pour qui ça l'État d'abord, il faut l'État c'est veiller sur ça. Nous sommes capables d'arriver et non. Ma pour exemple, aux États-Unis, on va dire que les child support. Le monde fait petit, on peut occuper lui, bon, on est capable de prendre n'importe qui sanction. Il y a force à occuper. Ils ont forcé à occuper. Et bien, nous sommes capables de vivre ici. On est capable de pour occuper le même passeport, on ne peut pas faire. Ou on ne peut pas faire licence pour conduire machine. Et les ça, on est obligé qu'on est. Pour faire attention à combien de petits on fait. Et l'on fait petit tout pour responsabilité. Alors, il y a plusieurs mécanismes. Parce que Bagala Papchita seulement pour dire c'est gouvernement et puis et société à lui-même, tout le monde a fait ça, vous voulez. Ou a gagné des autorités. Et là, on a un chef d'orchestre. Et puis chaque musicien a une note par eux, chef d'orchestre là, il va occuper. Pour ça qu'il va passer. Parce que force société a une certaine cohésion qui a les sous des objectifs clairs, qui pays nous voulait, qui société nous voulait. Et ça, c'est un engagement de tout le monde, en commençant d'abord par les chefs, les responsables de famille. Monsieur Paul, longtemps, là, nous parlons d'autorité, tout le monde est chef. Ainsi,
Non, du temps de l'ancienne armée, il y a des bagages qui ne sont pas faits. Il y a des bagages que nous devons respecter, il y a des bagages que nous devons faire peur. Parce qu'on a un petit moment, un militaire qui a passé là, un garde qui a passé le Fouquet, et puis sans aucune forme de procès. Laissez pas battre, battre. Par exemple, drapeau a monté, on peut passer devant caserne, ouais, mais c'est un dos pour camper, on connaît, faut qu'on campe. Mais l'armée écrasée, nous venons à la police nationale, ils ont tué les policiers, pas autant que tué militaires, même l'armée ça que nous avons là, c'est rarement entendu que type de bagarre ça a privé. Est-ce que l'autorité qui dégradée, l'autorité de l'État qui dégradée, est-ce que ça n'a pas commencé à aggraver avec la disparition de l'armée? M'a dit que c'est une étape. Mais il y a des signes bien avant qui commençaient dans la qualité d'éducation qui t'a dispensé, dans la qualité discours qui t'a véhiculé même dans l'Église. Et pas son société, son tout. Actuellement, si vous regardez la crise haïtienne, ce n'est pas seulement la crise des instances dirigeantes de l'État, mais c'est la crise de tout palier société. Même les partis politiques, ils ont presque disparu. Parce qu'on a plus fort parti politique, ils ont caché des chiffres. 17 décembre, 30 janvier. Bon, mais moi-même, qui sont. On moun k ap observé en plus ça k ap passé dans politique m pa fin konnen ki moun ki nan 30 septembre ki moun ki nan 20 septembre tellement gen date vous comprenez et ou capable aller au niveau donc ou pa gen ou parce que son date ton chiffre 30 août parce qu'on y a pour 21 décembre parce que moi même l'aime de ti moun dès qu'on 17 octobre la mode saline dès qu'on est 1er janvier c'est l'indépendance d'Haïti konnen a m konnen date. Et date là, je l'ai dit, son bonne parti politique. Son appellation. Et maintenant, ou pas forcément qu'on est qui tendance, etc. Il y a tout ça. Au niveau de la société civile, on apprend le prend les chambres de commerce, qui presque dysfonctionnelles. Ou pas attendre des prises de position sous ça qui a passé dans les gens et société a fonctionné, chambre de commerce, qui compte pour une position, même sous la question politique. Bon, même si y a une institution qui était plus solide, la conférence épiscopale, l'Église catholique, l'exprime très rarement, qui fait une déstabilisation presque totale de la société. Elle n'a pas parlé de réforme de l'État, elle n'a pas parlé de l'État seulement. À travers le monde qui a dirigé le pays à plus haut niveau, oui, il y a une première responsabilité, mais tout l'autre palier dans la société, la qualité d'éducation à dispenser, l'école qui a fonctionné. Nous avons un ministère que le ministère des Affaires étrangères et des cultes. Bon, pas grand-chose qui dit au monde, prend deux pièces carrées, ils font l'église, et puis ils décident que l'église a fonctionné toute la nuit, ils font brûler, ils disent bon Dieu l'a servi. Mais servi bon Dieu, bon Dieu pas demandé pour empêcher l'autre monde dormir. Ou il a fait le journal là, à 5h du matin. Il veut se reposer, il n'est pas capable. Il veut se reposer parce que monsieur lui-même l'a dit Alléluia. Mais il a le droit de dire Alléluia, mais il n'est pas obligé d'empêcher l'autre monde fonctionner. Tout. Qui fait, c'est tout ça qui est autorité de l'État. Dans tout domaine, et chaque monde a un sort à faire, ou a un droit, ou a un devoir. Et la liberté n'est jamais totale. Toute liberté est conditionnel. Si je dis, par rapport à la façon de situation hier là, M. Paul, si vous avez joué un rôle quelconque dans la case de l'armée, est-ce que vous avez progressé, je dis là? Moi-même, je suis un monde qui est institutionnel. C'est-à-dire, moi, je fais toujours la part des choses. C'est bon Dieu que bon grâce ça. Moi, je suis victime de certains chefs dans l'armée. Arrêtez, je me bats, moi, bah, ok. Même pas jamais confondre institution militaire avec un monde qui te font dérive. Même gens je dis qu'il y a un monde qui font dérive dans la police. Dans la police. Il y a un monde qui font dérive dans la métropole qui dit on pas pour pas dire. Mais rapidement on a redresser lui parce que ça qui fort c'est pas monde qui fait des autres là, c'est institution. Qui fait nous-mêmes nous réagir avec émotion des bon bagaille passé, on police font bagaille qui pas bon nous la gueule sous d'autres institutions que la police là. Et on va effacer dans l'armée, ou bien on va faire dans l'État, ils mettent la sous d'eau tout l'État, qui fait une exagération. Moi-même, je suis pas d'accord avec l'agissement de certains membres dans l'armée, ou bien l'agissement de l'armée en général, même de respecter l'institution qui est l'armée. Déjà, pays à base,
c'est l'armée. Et l'armée a une mission. C'est mission pour faire le rempli. C'est même bagarre avec la police. Il y a un mauvais policier. Et même bagarre avec le gouvernement. Et même bagarre avec la presse. Là. Et pas détruire pour détruire la presse. C'est Wally pour faire jouer. Et c'est ça, nous toujours pas respecter, nous pas comprendre, nous toujours aller à l'extrême. Nous n'entendons pas Wally là, nous pas remèl, mais c'est radio à bureaucratie. Nous, nous sommes capables de corriger. Nous pensons que c'était un plus gros erreur de faire, c'était. Craser la mer et puis qu'on y a, nous pourrions demander l'autre la mer, venir faire travail la mer, t'as fait pour nous. Monsieur Paul, en retournant sous gouvernement transition, mission, ni, objectif, li, yo di, c'est mener le pays à l'élection. Yo di tout que faut que tu aies une révision constitutionnelle qui fait. Est-ce que vous pensez dans le délai que vous avez le pouvoir, ça, qui c'est 20 mois? Selon l'accord que vous avez hier, est-ce que vous pensez que nous avons pu mener le pays à l'élection? Oui, vous êtes capable de mener l'élection parce que vous n'avez pas quitté le pays, il a fonctionné dans la confusion. Tout. Et plus vous avez une autorité qui n'est pas légitime, ça veut dire autorité que ce n'est pas le peuple qui met, c'est plus une ambiance de confusion politique. Alors là, pour remettre le pays sous rail démocratie, il faut organiser l'élection. Mais il faut créer conditions pour l'élection, pas créer crise. Parce que nous, en pile crise nous vivons, c'est comme conséquence mauvaise élection. C'est assurer nous créer conditions pour l'élection. En fait, bien, nous avons des outils tout, qui pour veiller l'organisation de l'élection. Le principal chantier nous avons dans le contexte, c'est la question de réforme constitution, était une question fondamentale. Ce n'est pas une question nous capable de négliger. Nous parlons de conférence nationale. Il faut nous mettre d'accord sur une vision à long terme de côté nous voulons mener le pays. Une vision vers 2054, par exemple. Ça, nous voulons le pays aller en 2054. Et question restauration de l'autorité de l'État. Parce que l'autorité de l'État pour faire quoi? C'est pour atteindre un objectif. L'objectif là, c'est renforcer le pays sur le plan économique. Objectif là, c'est empêcher que nous vivons ambiance d'instabilité, d'insécurité pour payer à tout nos paris internationaux. Mais tout ça, conférence nationale là, c'est pour impliquer citoyens des forces organisées dans l'élaboration d'une vision à moyen et long terme. Alors, je pense que il y a trois bagailles pour nous garder, peut-être jusqu'à quatre. Il y a fondamentalement question sécuritaire, mais question sécuritaire sont éléments dans la restauration sécurité de l'État et restauration autorité de l'État. Pardon, restauration autorité de l'État, sécurité, doit mener nous vers la stabilité. Mais la stabilité, à tout, faut conditionner par une constitution, on est capable de dire, adaptée à la réalité pays. Mais tout ça, tout, pas capable de marcher sans une vision économique. C'est ça que fait. Nous retourner sur trois mondes de commencement au commencement. Nous avons besoin de créer stabilité. Pour nous créer stabilité, il faut nous combattre la précarité et pour nous accentuer vers la prospérité. Est-ce qu'on pensait que les sanctions internationales ont été prises contre des personnalités politiques? Est-ce qu'on pensait que il n'y a pas d'effet sur l'élection que vous faites? Li pa gen effet seulement sur l'élection, li gen effet sur le pays en général. Parce que ce n'est pas sanction le problème, non. C'est gens sanction. Sanction, c'est arbitraire. C'est-à-dire, si un monde fait un bagage qui n'est pas bon, il faut punir. Il y a la loi pour ça. Mais elle n'est pas faite dans la transparence. Personne ne connaît pour qui ça a été sanctionné. Un tel. Et puis, deuxièmement, et Livin montrer une sorte de dépendance de pays à sur tout plan. C'est-à-dire que si citoyens font bagaille qui que le pas doit faire gain la loi pays à qui punit, faudrait-il que pays a gain capacité pour poursuivre citoyen ça et puis condamner pour ça le fait pas bon. Mais des fois ou pas qu'on est qui les sanctions son bagaille émotionnel, son bagaille personnel et cap régler qui les sanctions réelles et puis mettons confusion dans le pays qui peut être même capable de déstabiliser le pays en quelque sorte. Merci, M. Paul. Nous allons prendre pause et puis nous allons tout de suite après
Il y a des questions pertinentes, mais il y a des sujets intéressants que nous avons abordés avec vous, nous retourner. Encore une fois, merci pour la disponibilité à Métropole. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Evans Paul, ancien premier ministre et leader de l'organisation Vivre Ensemble, c'est ça? Vivre Ensemble, non, son bagage qui est très controversé, oui, qu'on est. Donc, par contre, je ne suis pas obligé de changer les pour l'autre genre, pour parce que le cas créé les cas prêtés à confusion, effectivement. En tout cas, vous êtes responsable de l'organisation. On a parlé de ça, parce que vous bien contre ouvert parenthèse, ça va clarifier. Merci. On observe la pause, madame, monsieur, et à tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Monsieur Evans Paul est l'invité de ce matin. Avant pause-là, monsieur Paul, nous t'a parlé de leader Kidla et puis responsable organisation Vivre Ensemble. Vous avez dit que par rapport à la confusion que bah, ça a créé, prêté, faut-il bien que nous t'affrontions mise au point sous les. Oui, mise au point parce que moi, participer à la création Centre Vivre Ensemble, c'est vivre depuis 2017. Mais ce n'est pas moi-même qui viens avec le concept Vivre Ensemble. C'est un concept universel qui promouvoir la cohésion sociale, harmonie sociale, la paix publique, etc. Et puis, brusquement, il y a des groupes de gangs qui relaient l'organisation Vivre Ensemble. Mm-hmm. Mais même le bon sens, même si tu apprends mot pour mot, Vivre Ensemble veut dire respect. Vivre Ensemble veut dire solidarité. Vivre Ensemble veut dire la paix. Qui fait l'homme, il faut bagarrer les vivre ensemble et puis l'a tuer le monde, l'a kidnapper le monde, l'a simer la terre. C'est contraire à vivre ensemble. C'est même genre avec la philosophie chrétienne. Il y a un monde qui dit c'est chrétien et puis tout ça l'a fait contraire à la philosophie chrétienne. C'est même genre avec la démocratie. Moun nan di li, la fait démocratie et puis tout comportement contraire à principe démocratique. Il n'est pas d'accord avec l'alternance, il n'est pas d'accord avec la majorité à ces peuples, les peuples liés. Exactement. Qui fait, gain un mot que les galvaudés, tant que moun nan prend moi, mais la peut utiliser moi, mais la fait le contraire de ça moi. Il fait affaire pâle. Il fait affaire pâle avec moi. Et ça capable de dérouter en pile moun et puis ça contribue à mettre confusion. Qui fait, c'est pas vivre ensemble là qui pas bon. Vivre ensemble dans son bon bagaille. Il faut nous vivre ensemble. Nous vivons ensemble avec madame nous, avec famille nous, avec petite nous, dans la société. Nous pas capable changer vivre ensemble. Là. Vivre ensemble dans son bon bagaille. Il faut nous vivre ensemble. Il faut nous vivre bien ensemble. Il faut nous bien vivre ensemble. Mais, si vous utilisez vivre ensemble là, pour faire bagaille qui pas bon, pour simuler la terre, ou pas dans vivre ensemble. Qui fait là, c'est préciser pour nous préciser ça, vivre ensemble. Non, au contraire, c'est un bon bagay. Si les gens qui ont des âmes dans le monde, adopter le principe vivre ensemble. Il y a comprendre le principe vivre ensemble. Pas de tuer les gens là-dedans, pas de kidnapper les gens là-dedans, pas de bouler et marcher là-dedans, pas de bouler la bibliothèque là-dedans, pas de bouler l'école là-dedans, pas d'attaquer l'hôpital là-dedans. C'est contraire. Oui, mais ça, c'est définition peut-être. Pas, mais moun qui a utilisé l'un, il n'y a vraiment, comme ça, il a dit, c'est peut-être vivre ensemble entre eux. C'est entre eux les gangs. Mais son concept, il n'y a pas créé, il n'y a pas changé moi. Il n'y a pas qu'à prendre le mot Dieu, ou bien bon, non Dieu, et puis me dit ça me plaît avec lui, me fait le faire ça me plaît. Je prends les médias, je prends les nouvelles, je prends l'amour, je fais ça me plaît avec lui. Bonté, et puis me faire le tourner méchanceté. Je me bagarre pour mon bagarre, et puis me faire le contraire de sa bagarre, là, je dis. Alors, je dis à moi, quoi, que nous besoin d'un véritable vivre ensemble dans le pays. Mais vivre ensemble, non, il y a un principe, il y a besoin de la paix sociale, il y a besoin de l'harmonie sociale, il y a besoin de progrès social. Je pense, M. Paul, au grand pile de travail pour ta faire. Parce que après 30, 40 ans, 50 ans, Léo dit Evans Paul, tu as dirigé Vivre Ensemble, alors que parallèlement, tu as l'autre Vivre Ensemble, qui a l'autre activité.
ou pas quoi que petit petit ou cap cap obligé poser question dans qui ça grand papa me dit là mais c'est même gens ou t'es capable gagner un monde qui c'est un pasteur qui fait un mauvais bagaille au nom du Christ, au nom de Dieu. Mm-hmm. Mais ça n'a pas retiré l'essence de la philosophie chrétienne. Mm-hmm. Dans tout l'autre pasteur qui a fait bon bagaille, il y a une dérive. Mm-hmm. Les gens qui prennent vivre ensemble pour faire des ordres, pour faire crime, c'est une dérive qu'il a fait. Mais vrai vivre ensemble, non, ce n'est pas mission. Ça. Alors on te dit que c'est vivre, centre vivre ensemble. Mais ne pas calaguer vivre ensemble, non, parce que les gens qui prennent pour faire des ordres, mm-hmm. c'est pour nous mettre. T'es vivant ensemble dans une vraie dimension, mm-hmm. c'est pour nous faire appliquer philosophie vivant ensemble. Selon ça, vivant ensemble, charrier comme principe moral, comme principe de solidarité, comme principe de paix. Alors, son c'est message, nous tout lancer, bah, il n'y a pas capable d'entrer dans vivant ensemble. Vivant ensemble, c'est pas pour moi. Mm-hmm. Vivant ensemble, c'est pour eux tout. Mais ça y a fait dans vivant ensemble, pas correspondre à vivant ensemble. Pas qu'un touye moun, pas qu'un bat moun, pas qu'un vol à faire moun, pas qu'un craser l'école. Tout ça y a fait toute la journée qui pas bon yo. Quand mettez mais pas tout y a la police là dedans, c'est pas ça de vivre ensemble. Vivre ensemble veut dire justement nous chercher l'harmonisation, yeah. on respecte l'autre. Premier principe vivre ensemble, c'est respecter la vie. Monsieur Paul, Haïti a fait une expérience nouvelle sous plan gouvernance. Jodi an genyen yon CPT qui cohabitait pour former un exécutif, vous cohabitez avec la primature. Quelques jours, quelques semaines, papa en pile, évidemment, après structure ça est installée. Comment Evans Paul, qui lui-même fait en pile temps à goûter pour bagaille changer, était plus habitué avec yo président et yo premier ministre, évidemment, une expérience qui commençait depuis 86-87. Comment est l'expérience? Moi, premier ministre, nous avons cité M. Marcel Célestin sous Maniga. Oui. Maniga qui était, même si yo gagné à revoir sous façon de lui, mais quand même, c'était la première élection qui était faite après le départ de Jean-Claude Duvalier. Cette cohabitation, comment comprendre l'expérience? Est-ce que la continue à marcher jusqu'à la nouvelle élection ou bien est-ce que ce sont des initiatives qui vouent à l'échec? Maintenant, il faut prendre ça avec pincette. Et gagner dans le pouvoir exécutif là, deux instances. Même j'ai un pouvoir législatif là, il y a deux instances, il y a le Sénat de la République et la Chambre des députés. Pouvoir exécutif là, il y a d'un côté la présidence de la République et la primature. Mais nous vivons en réalité, côté à l'intérieur de la présidence, il y a une cohabitation. Parce que cette histoire de présidence collégiale, nous expérimentons déjà, et pas jamais bail bon résultat. Plus récemment, c'est en 1956, nous avons un gouvernement collégial d'environ 13 personnes qui était duré 41 jours. Et en 1986, première version CNGA a gagné 6 personnes là-dedans. C'est une forme de gouvernement collégial, il n'est tellement pas de camaché. Il était duré environ 41 jours tout, et il était venu changer en triumvirat, c'était 3 personnes. En général, le pouvoir les symbolisait par un monde qui a une délégation agit pour la collectivité. Qui fait expérience de yon présidence 9 monde extrêmement complexe, li alourdit possibilité pour prendre décision. Parce que chaque décision peut faire objet de négociation, etc. On paye qui charge urgence. Moi, je pense que c'est pas une bonne façon d'agir. Cependant, comme c'est voie ça qui choisit, et nous pas pour le mettre bâton dans le mouillot, nous pas pour le déstabiliser, nous avons souhaité que vous compreniez la complexité de la situation. Vous compreniez que c'est chaille qui sous dos et vous prenez mesure responsabilité pour agir dans le sens intérêt peuple. Veillez pour ne pas prisonnier de rivalité qui gagne entre eux.
de divergence qui gagne entre eux pour affecter crise là qui déjà grave. Moi même son message qu'on ça me lancer. Pas trouver son bon bagaille pour nous en présidence à 9 membres, même pas trouver tout l'état mandé pour entrer dans une bataille contre présidence pour le moment. Parce que c'est pas grand rien pour vous mettre contre lui, je veux dire. Mm-hmm. C'est la même chose pour le premier ministre et Gary Kony. Vous pensez que dans ça, nous, il a joué. Alors, excusez-moi, premier challenge, premier défi, hein, c'est pour l'équipe du Conseil arriver en tenue pour gérer le pouvoir. En toute harmonie. Dans le sens intérêt peuple là, chercher cohésion entre eux. Cohésion. Parce que c'est une grosse bataille. Ok, mais là, au fin, il y a un autre acteur en face qui est le Premier ministre. Il n'est pas en face, c'est complémentaire. Eh bien, d'accord. Parce que le Premier ministre, ça va être en face. Parce que dans la réalité, pour voir, en fait, là, il y a retiré quelques membres dans le corps présidence là. Parce que dans la question présidence à vie, omnipotente, etc., dans la Constitution, elle nous fait exécutif la gagner, deux chefs là-dedans, le président qui est le chef de l'État et le premier ministre qui est le chef du gouvernement. Mais frontière entre les deux très petit. Mm-hmm. C'est ça que fait, c'est les deux ensemble qui dirigent l'État, c'est les deux ensemble. Le président préside le Conseil des ministres, assisté du premier ministre, presque toute action. Premier ministre là a fait faut le contre-signer par président l'a monte mon cabinet ministériel faut président ba adhésion li l'a non mon directeur général faut président ba adhésion li et seul champ président gagné t'a capable dit même mise sous li c'est le champ diplomatique même là encore il y a l'implication du premier ministre avancé, alors c'est l'effort de cohabitation c'est fort c'est un jeu assez fait et fort pour nous vivre ensemble. Mm-hmm. Pour nous vivre ensemble malgré divergence. Mm-hmm. Et c'est ça, convergence de trois pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Chaque mission par eux, mais toute mission ça doit concorder au service de la collectivité, au service de la nation. Alors là, je pense que nous avons un système compliqué, mais si nous prenons conscience de complications, il va demander plus d'efforts pour nous joindre harmonisation dans le sens intérêt collectivité à peuple haïtien. Nous avons un pile monde dit que, en plus du fait qu'Haïti n'est pas souverain, mais nous avons quoi que en Haïti, et ceci depuis plusieurs années, c'est ça international là, décider c'est ça que fait. Est-ce que vous même ou d'accord avec ça? Est-ce que vous partagez point de vue ça? Tout à l'heure, moi j'ai parlé de restaurer l'autorité de l'État. Majorité, restaurer l'autorité et la dignité de l'État. Mm-hmm. Oui, son problème. Donc ça veut dire que ou admettre que nous pas dignes encore. Nous suspendons souverains. Non, nous pas capable de souveraineté parce que nous pas mettre tête nous dans situation puis respecter nous tout. N'a pas gomme ombrage nous de temps en temps n'importe petit problème nous mande deviner de nous et yon a dénoncé l'autre nous pas capable bail propre président la caille nous sécurité les moun fin touyer président c'est justice dans l'autre pays cap agi. On a regardé depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, ça va le faire 3 ans. Oui. 7 juillet. Oui, ça va le faire 3 ans. Mm-hmm. Pour que j'aime un monde qui est condamné en Haïti. Mais aux États-Unis, il y a un monde qui est condamné, etc. Non, et, ça, mais, donc tout ça, on a invité le monde, convoqué en Haïti, toutes ces farces, toutes ces parodies. Farce, c'est procédure, mais. Faiblesse l'État fait que l'État n'a pas de capacité pour faire un procès comme ça. Et c'est là le problème. Qui fait que l'autre État lui-même, dans l'autre pays, pour raisons diverses, comme il y a des gens qui étaient impliqués là-dedans, etc., comme ils sont une sorte de tuteur, ils prennent un dossier en main, bon, il y a des gens qui sont condamnés, mais il y a l'autre monde qui est en prison en Haïti, il y a des gens qui sont censés évader. Bon, ce sont gros des autres. Là, on a parlé de
de restauration de l'autorité de l'État, c'est parce que nous, d'accord, nous constatons, nous vivons l'effondrement de l'État. Mm-hmm. Et si il y a un bagage qui doit adresser fondamentalement notre transition, c'est question ça. Comment on a l'État qui a grand monde tête? Mm-hmm. Nous ne sommes pas bon, nous avons pile quoi, même grand monde tête moins et moins. Fait effort pour nous respecter. Mmh. Alors, comportement pour nous respecter. C'est ça. Alors, point ça, pas dans le questionnaire ou bien pas dans la liste de points que je vais m'aborder avec vous, mais comme vous venez sous lit, qui ça a dû l'entendre, un juge fédéral a exigé des gens qui condamnés dans l'assassinat du président Jovenel Moïse pour payer Martin Moïse, l'ancienne première dame, ainsi que petit, premier petit président, Joël Impôt, pour bailler l'argent. Qui j'en comprends ça ou même? Qui j'en réagi leur après une nouvelle là? Ça étonné, même mettre dans le même registre, que pays dépendant, même en question aussi sensible, et l'y a traité pour l'autre l'État. Je ne sais pas qu'on est dans quelle provision légale que les États-Unis sont capables de décider ça, même si c'est au détriment d'un groupe de citoyens, au profit de l'autre citoyen, en fonction de quoi? Je ne sais pas c'est avisé sous détail ça. Mm-hmm. Mais il fait tic dans tête point. Il fait tic dans tête point. Et il montre que l'État pays est totalement défaillant. C'est-à-dire, mm-hmm. si nous avons un problème, il faut aller chercher justice pour problème qui passe dans le pays à l'étranger, parce que le président Jovenel Moïse a été assassiné en Haïti. Même si tu as une complicité étrangère, parce que si tu as un crime qui est fait aux États-Unis, bon, même si tu as une implication étrangère, mais c'est l'État américain qui a pris la question en main. On a besoin de quoi c'est finalement, M. Paul? Parce que tout le bagage, non, c'est. Bon, je vais dire que nous avons un bon timon, mais. Qu'est-ce que nous avons besoin pour le pays à changer véritablement? Le gouvernement, nous, c'est l'international qui a décidé pour nous. Justice, même bagaille. Qu'est-ce que nous avons besoin? Est-ce que nous avons besoin d'une autre classe d'hommes politiques, n'en déplaise à vous, M. Paul, qui fait partie de la catégorie. Mais qu'est-ce que nous avons besoin pour le pays à reconquérir, effectivement, arriver à restaurer dignité, souveraineté, autorité, l'État. De quoi on a besoin, M. Paul? En un mot, cohésion sociale. Comment y arriver? Bon, c'est tout en construction. C'est en construction parce que son bagage nous perdu depuis l'assassinat de Dessalines. Parce que l'on pays où fait fond l'État, et environ 2 ans après, où tu es chef de l'État, et pour tomber dans une débandade depuis lors. Une débandade, nous avons un monde, nous avons un problème, nous avons un problème, nous avons un rouge, et puis nous avons déstabilisé pour peut-être nous avons un mal à l'ombre à genoux. Parce que nous n'avons pas un répit. Il y a des petits moments de tempo. Mm-hmm. Mais en général, depuis 1804, son pays oui. s'est sorti dans l'orbeille, sorti dans l'orbeille, sorti dans l'orbeille. Quand même, quand même. Parce que nous parlons de classe d'hommes politiques. Ce n'est pas la même classe d'hommes politiques qui était là 50 ans avant, 100 ans après, tout le monde mortel. Oui. Pour qui ça nous toujours produit même situation. C'est ça, me dire là, monsieur. Au-delà de personnes, au-delà de générations qui ont vécu. C'est tout en continuité historique malveillante. Oui, mais ça fait plus de 200 ans. 200 ans, mais c'est ça qu'on a gagné. On recule, c'est ça qui fait conférence nationale qui a fait, pour nous garder, pour nous identifier ça, qui ça nous fait. Nous pas te fait, nous te fait mal, qui ça pour nous suspendre fait mal, pour nous prendre l'autre direction et pour nous quitter l'autre directive pour l'autre génération qui va venir. Mmh. Oui. Parce que 200 ans après, nous toujours répéter c'est même côté à nous, et maintenant. L'instabilité est chronique. L'instabilité chronique. Chez manger chez, il y a déchiré l'autre tour, il y a pas écouté. Il y en a pas l'autre couteau dans le dos. Nous avons un problème, mais est-ce que nous n'avons pas un problème de chromosome, non, vraiment? Moi, même pas privé là. Je pense que. Moi, pour exemple simple. Même haïtien qui en Haïti, il arrive dans l'autre environnement, dans l'autre pays, il comporte l'autre gens. Moi-même, quand nous voyageons, et puis, moi, pour exemple simple, n'importe Miami.
Et m'apporter Port-au-Prince. Et puis m'garder moi et haïtien qui a voyagé, tout le monde en ligne bien propre, bah comme ça, il est passé sous comptoir, il a enregistré bagage. Après ça, il est passé dans sécurité, il va le monter avion en tout, il prend les lieux normalement. Quand il descend n'importe ici là, même moun qui était discipliné, comporté correctement, n'importe Miami ou elle bon l'autre Lyon a couru passer devant l'autre, ça prend les mallettes, les bavli bay tag là. C'est le comportement te gagne même moun. Et ce gars là donc éduqué, moun ça qui était un comportement correct. C'est comme si lui rivé là, il dit bon, là son savant nié et moun n'a pensé que il est capable de faire ça le et malheureusement c'est ça nous vivre et qui mettait nous dans ambiance ça, en ambiance de responsabilité individuelle tout parce que chaque monde pensait que son l'autre monde qui pour faire bagarre à marcher nous moi-même moi pas concerné monde politique c'est dans pays est sorti et monde politique c'est produit pays a oui il monde ça pas là pour aller l'autre qui va le venir encore son oui, ligne mais, pour mais, tracer ça me dit monsieur Paul c'est que si nous fait plus de 200 ans à faire comme ça si je dis on nous pas dit stop nous pas dit halt là il y a une possibilité pour nous faire et 300, 400 ans, même genre, côté que c'est. Je connais son réflexe de bambin, de dépendance que nous avons toujours gagné par rapport à l'international. C'est nous-mêmes qui ne voulons pas entendre nous, c'est cohésion qui était un gros défi pour nous. Et puis ça continue, les recycler, nous recommencer. Et de temps en temps, nous pas arrivé à créer la vie véritablement, créer la vie, créer la paix, créer la stabilité, alors que nos enfants qui grandissent attendent beaucoup de nous. C'est question projet pays. Projet pays de Chita sous famille, n'a pas tout qu'on soit fait famille. Et pour Chita sous fonctionnement société dans l'école, la Chita tout dans l'église, la Chita tout dans l'organisation sociale, dans le parti politique, tout. Côté qui regroupe le monde, tout côté qui a une mission pour faire la société avancer, qui a une responsabilité tout pour nous assurer, nous jouer une cohésion sociale ça, pour nous travailler pour le bien commun, pour nous travailler pour le progrès. Parce que je ne suis pas capable de vivre bien et puis voisin beaucoup de gens vivent mal. Parce que, et tout problème, c'est ça, même question insécurité à tout, même question mon en haut, mon en bas. Nous avons une bonne vie concept. Par contre, tout ce qu'on a fait, mon grité devant Dessalines, mon grité derrière Dessalines. Le statut de Jean-Jacques Dessalines qui est sous Champ de Mars là, il a mis le statut en 1954 à l'occasion du 150e de l'indépendance d'Haïti. Et puis, il a joué un concept pour faire une division dans la ville Port-au-Prince là. Entre mon qui était devant face Dessalines et mon qui était parce qu'on Dessalines baille face à lui sous la mer. Et tout le monde qui était en haut, c'est le monde qui était toujours Boisverna, Debussy, etc. Et le monde a fait bon, et le monde en bas, c'est Fort Saint-Clair, c'est La Saline, etc. Mais voilà, on fait sociologique. Au champ de masse, c'était plus gros place PIA, plus gros place publique PIA. On statut de principal héros PIA, il prend pour faire un élément de division. Et puis il était dans notre tête, monde. Moi, je suis devant Dessalines, ou moi, je suis derrière Dessalines. Son bagage, depuis une petite m'attendé, et puis nous divisons le pays sous base, côté n'a pas vivre par rapport à côté où nous mettons statut fondateur pays. C'est bagage, c'est pour nous changer. Si je dis à M. Paul, vous avez pour parler directement avec M. qui a reine pays dans le pays, qui est-ce que vous dit? Sérénité, solidarité. Parce que la sérénité est un bail qui est fondamental. Et la solidarité, c'est d'abord la solidarité entre eux-mêmes. Parce que des fois, en dedans pouvoir, il y a des gens qui ont crasé le pouvoir. Il y a une rivalité en dedans pouvoir. Et ma tout fait un parallèle sur la police. En dedans la police, il y a un bail terrible. État-major n'a pas forcément supporté le chef de police. Parce que tout le monde qui est état-major, c'est potentiel chef de police. Qui fait si la police a mal marché, ça me bat la possibilité pour venir chef de police. Tout parce que l'on état-major a une possibilité pour venir chef de police. Mais si nous continuons comme ça, la police là, pas même une police pour diriger. Ça veut dire premier bagage, c'est sérénité. Et puis c'est solidarité dans le gouvernement qui pour permettre
river et créer conditions pour répondre à aspiration peuple haïtien parce que je dis à faut tout le monde retirer dans tête yo question souhaiter pour mon échouer chaque monde qui échoue dans l'état c'est peuple haïtien qui paye conséquences là et même sous t'aspire diriger pays c'est route échec porte qui trace qui fait nous pour tout le monde réussir réussite là doit en fonction des intérêts fondamentaux d'Haïti et du peuple haïtien. Et les gangs armés, sous t'abdi yon bagay, c'est qui ça? On pense qu'il faut quitter métier ça. Faut quitter métier ça parce que on moun qui sont gang pi piti sa kapten ni, c'est prison. Si ni avancé acte aval entre des villes ensemble. Parce que m'pa wè ki jon capable vivre pour simer la terre ou ap touye moun et nan environnement ou moun ap kou ekite ou etc. ou on zam nan moun pa kap vivre ak zam nan. Parce que depuis mon petit, mon connais Abdi. Ou qu'a fait tout sauvler avec un baïonnette, mon pas ca chita sous lui. Qui fait zam pas jam élément de solution à aucun problème. Son élément de dissuasion lié. Et ça m'a dit valable même pour force qui pouvait résoudre problème insécurité. Il pas ca résoudre seulement par les armes. Faut gagner une démarche politique conséquente qui pour adresser problème insécurité dans toutes dimensions que c'est dans dimension politique, dimension économique, dimension sociale, même dimension écologique parce que dans le parle de sécurité, il est transversal et faut nous conscient tout, un paquet de monde qui dans société là, yo la géo yo même yo pensé que j'en passé le passé il faut que nous tenions compte de moun sa yo qui dans société tout même si ça pas justifié comportement bandit comportement assassin en pile moun gagnent k'ap fait société en pile mal k'ap fait tête yo mal k'ap fait famille yo mal. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite. Vous voyez un bouton qui est en noir qui marque souscrire mais ça c'est espagnol. Si vous êtes en anglais, vous marquez subscribe. Si vous êtes en français, vous marquez s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Lorsque vous cliquez sur lui, vous avez une petite cloche de bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, vous pouvez abonner automatiquement par sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option, retirer flèche là sous deuxième option, mettez sous première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois mon ton vidéo ou joindre notification et puis pas oublier la gon like en bas vidéo ça.